Le lot 442, un fils de Ken d'argent acheté 150 000 euros par monsieur Jean-Claude Sérol. Bonjour, merci de vous arrêter au micro. Alors votre réaction à chaud en tant qu'acheteur? Écoutez, j'avais envie de ce cheval, je l'ai acheté, donc je suis content. Et puis après, on verra ce que dit mon comptable. Alors justement, vous êtes propriétaire depuis bien longtemps, vous êtes éleveur également. Alors pourquoi acheter notamment un mâle, pourquoi pas une femelle? Mais vous croyez qu'on a le choix comme ça? C'est très difficile, c'est un marché hyper difficile. J'ai déjà essayé depuis 3 jours d'acheter des chevaux et c'est très difficile. Là, c'est le troisième que j'ai réussi à avoir. Voilà. Et d'autres achats vont encore continuer à la test ou en octobre par la suite? Oui, il m'en faut encore 5 pour remplir mes box. Justement, vous dites il m'en faut encore 5 pour remplir mes box. Vous avez un quota, par exemple, de yearling à acheter chaque année? Non, mais j'ai un certain nombre de box. Et le 1er janvier, ils doivent être pleins. Et après, ils se vident petit à petit, au fur et à mesure, des accidents, etc. Et une dernière question, vous avez combien de poulinières actuellement? Elles sont stationnées chez Pierre Talvar, c'est ça, ou à Ras du Cadran? Oui, c'est ça. Une trentaine. Et vous allez à des étalons aussi bien français qu'à étrangers ou privilégier la France? Oui, oui, je vais aux vieux étalons qui ont prouvé qu'ils étaient bons reproducteurs. Voilà, j'essaie d'éviter la mode. La mode, ça coûte trop cher. La mode, ça coûte trop cher. Merci beaucoup, monsieur Sérol. Bonne continuation. Merci, au revoir.